Donc, c'est hier soir, ils ont vu mon frère qui est un tricycle. Et il a demandé s'il pouvait aujourd'hui transporter des gens de Belleville vers le secteur 20 pour aller voter. Donc, dans le but de m'aider pour la transparence des élections, il a accepté. Et ce matin, il est au troisième convoi. Donc, j'ai posé un espion au secteur 20 pour suivre la destination des votants et qui a abouti que ils ont pris les cartes des gens, les remettre et ils vont voter au secteur 20. Les cartes, non, ils ne sont pas habilités à voter avec. Donc, nous avons saisi la gendarmerie qui n'a pas encore réagi. Et M. Ouattara a été conduit là-bas, lui-même candidat au deuxième de liste au secteur 20. Et les membres, les grands militants du CDP sont là. Ils ont dit qu'ils vont l'enfermer. Pour le moment, la situation est là. Mais comment ils ont eu les cartes? Les cartes, la presse en a fait cas. Les gens qui prennent les cartes d'électeur des gens, sous prétexte qu'ils vont envoyer Chantal Compaoré pour avoir de l'argent pour eux. Donc voilà comment on prend les cartes. Et l'aboutissement, c'est la fraude.